Aujourd'hui, il va s'exprimer parce que vous savez, hier, il est allé à Kasumbalesa, à Kasema. Il est passé par des grands postes à Malamboué. Il s'est arrêté. Alors, la population était très triste. Il s'est arrêté au moins à Kasome, non, au Redo. Il faut après toute une longue journée d'attente. La population était très triste. Alors, aujourd'hui, il avait vraiment pris du temps pour s'adresser à la population avant d'aller trouver les rubans symboliques. Quelle autre préoccupation que vous pouvez soumettre au président de la République concernant le Haut Katanga, Kasumbalesa, sur la vie sociale, etc. En tout cas, moi, je dis, premièrement, je suis femme de médias. Je lui dis quand même félicitations. Parce qu'au niveau social, ça marche. Du point de vue social, ça marche. Union sacrée, ça marche. Mais ma famille, vraiment, ma casse, la Kasumbalesa, ma casse, ma casse, ma casse, ma casse. Nani. Quand on a besoin de porter quoi, quand on a besoin,
on a taxi et même rapide qu'on a vu ça. Mais ceux qui ont commis la zone naître, on a basambi, on a dit que ta moto et même maison, ma maman va se mettre à pied qu'on a moutou. Donc vous avez peut-être sa maison et pied qu'on met mal à moutou. Donc on a baboyi, va chavio, baboyi, pied qu'on a na Congo. Donc ma maman va monter après si même ma maman a moutou, t'as la cabane, t'as la maman. Et pour traverser la zone naître, venir ici. Donc au sein du président, on a dit que yo, allez, je tâche parce qu'on a basambi. Merci beaucoup. Donc on disait dans un instant, le président de la République va s'adresser à la population du Haut-Katanga à travers Kasumbalesa. Ça, c'est une mobilisation justement avant l'arrivée du président de la République. Nous sommes arrivés ici très tôt pour voir. Derrière moi, c'est le podium. Donc, le président sera sans doute accompagné de la première dame, Denise Nkeru Tshisekedi. Et ils vont s'exprimer devant cette population. Et à en croire les dispositifs techniques, il y aura donc probable prise des paroles de la part de la population, comme ça se fait aussi. On a vu ça à l'Équateur, on a vu ça dans le Kassai, dans le Sankuru, quand le président, le chef de l'État était là. Donc l'occasion a été donnée à la population, 5-10 personnes, en fait 3-4 personnes de poser des questions. Et là, c'est le dispositif. Il y avait un micro que j'ai vu quelque part. Mais je ne sais pas. Oui, il y a un micro là. C'est le micro du président de la République. Deux chaises. Donc, la première dame est le chef de l'État. La sécurité, il y a la garde républicaine, la garde rapprochée. Tous les conseillers, ceux qui sont du moins, qui ont fait le déplacement avec le président de la République, qui sont ici pour préparer donc cet accueil. Regardez comment déjà les dispositifs sont pris et mis en place pour assurer la sécurité. Il y a un couloir, deux couloirs finalement qui ont été créés pour permettre aux véhicules présidentiels d'accéder jusque devant le podium installé pour la circonstance. Et après cela, le président de la République ira inaugurer le nouveau bâtiment du port sec de Kasumbalesa qui revêt sa plus belle robe. Donc il y a eu construction d'un nouveau bâtiment du port sec de Kasumbalesa justement pour faciliter le travail dans ce lieu. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va inaugurer donc ces bâtiments, il va couper le ruban symbolique. Mais entre-temps, ce mardi, la première dame, Denise Nyakeru, a eu un déjeuner de travail avec les boursiers de Excellencia, qui vont bénéficier donc de la bourse qu'octroie sa fondation pour les finalistes du secondaire en République démocratique du Congo. Profitant de son séjour ici dans le Haut-Katanga, la première dame a donc eu un déjeuner de travail avec eux. Elle les a encouragés à exceller, à travailler et à faire de mieux, de leur mieux pour finir des études, travailler, étudier dignement et étudier de manière à venir contribuer pour le développement de notre pays. Maman, bonjour. Français Lingala. Le papa.
Eh bien, le bibozapé n'a pas difficulté, belé, pas tracasserie, insécurité, courant. Bon, courant est en anglais, mais le délestage est en anglais, mais la consommation est bonne, nous sommes qu'émoqués, et aussi en anglais. Pour le mandat, c'est là qu'il y a 5 ans, dans ma campagne, il y a un capillage. Mais pour le moment, deuxième mandat à partir. Au travail, à Boko Pembe, 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 Attendez, vous allez pas l'envoyer.
un mandat sans candidat. Mandat, premier mandat, oui, tout le monde. Je vous le dis, oui, il faut un des cinq mandats. Parce que tout le français, tant, on peut être pour voir. Pour voir, on dit, oui. L'adresse du président de la République qui sera accompagné de la première dame à la population du Haut-Katanga ici à Kasumbalesa. Voilà, je vous laisse quand même revivre ces images de la mobilisation. Ils sont venus de partout, de Lubumbashi, de Kasumbalesa, principalement de Kasumbalesa et de Likasi. Voilà. Je crois que la RTNC assure déjà la retransmission en direct à Domoujangi. Ça, c'est le.
Thank you.
I'm sorry.
À tout à l'heure.